Un Israélien, en voyant ces images, soupçonnera probablement le ministère du Tourisme d'essayer une fois de plus de le persuader d'explorer son propre pays au lieu de voyager à l'étranger. Et le touriste qui assistera à certaines de ces scènes dans la réalité ne sera sans doute pas frappé par leur originalité. Pourtant, ces documents, véritables témoignages des émotions et des passions des hommes, permettent de mieux comprendre une histoire qui se joue encore au présent. Une histoire que porte en lui tout Israélien et dont chaque événement surgit d'une manière inattendue dans ce pays qui n'a pas connu un seul moment de répit. Depuis l'aube de son histoire, Jérusalem a été conquise et reconquise 40 fois. Cette ville au magnétisme singulier a toujours fait l'objet de la vénération la plus exaltée et de la violence la plus extrême. Mais le plus inoffensif de tous ces envahisseurs est sans doute le photographe conquérant de l'image, chasseur de l'événement, sans cesse à la recherche d'une nouvelle histoire à raconter. Et depuis la naissance de l'État d'Israël en 1948, cette histoire a été permanente. L'œil de l'appareil enregistre les scènes d'aujourd'hui pour les générations à venir. Tout comme il y a 40 ans, il a immortalisé les images qu'à présent nous considérons comme faisant partie de l'histoire. Depuis 1948, Jérusalem, comme tout l'État d'Israël, n'a jamais connu un seul instant de répit. David Rubinger a pris cette photo de Tel Aviv en 1947, lors de la célébration du vote par les États-Unis du partage de la Palestine. Il se souvient bien de ce moment. Mais plus vif encore dans son esprit sont les événements de l'année 1948. Cette année-là, il combattait les légionnaires arabes pour la conquête du quartier juif de la vieille ville de Jérusalem. La Terre Sainte était devenue une fois de plus un champ de bataille. Jérusalem est assiégée. Ses résidents juifs sont forcés de vivre dans des conditions terribles. Même l'eau est rationnée. Et à présent, les juifs doivent se contenter des réservoirs d'eau de pluie. Le reste du monde attend, comme paralysé. Et les juifs en guerre s'accrochent à l'espoir que les convois de Tel Aviv parviendront à traverser les positions ennemies avec leur chargement de nourriture et de provisions. Mais bien souvent, cette colonne de ravitaillement n'atteint pas sa destination. Les embuscades arabes font des ravages. Les Anglais n'arrivent pas toujours à temps pour apporter leur aide. Et lorsqu'ils arrivent, ils sont souvent réduits à l'impuissance. Les bords des routes témoignent de cette dure réalité. Finalement, l'Empire britannique quitte le navire. Et bien que la Palestine soit déjà à feu et à sang, les Anglais ne négligeront pas les cérémonies d'usage. Pendant ce temps, le monde a le regard fixé sur le musée de Tel Aviv. Les Juifs annonceront-ils la création de leur nouvel État? 6 nations attendent une telle déclaration pour lancer leur offensive. Voici David Ben-Gourion. Oui, aujourd'hui, l'État d'Israël sera proclamé. Un rêve de 2000 ans se réalise enfin. Aujourd'hui, l'État d'Israël est né. David Ben-Gourion lit la déclaration d'indépendance au peuple juif. Nous proclamons l'établissement d'un État juif en Palestine qui se nommera Médina Israël, l'État d'Israël. Le jour même, la guerre éclate sur tous les fronts. Tel Aviv est bombardé. Les combats sont sanglants dès le début, mais les Juifs étaient préparés à cette invasion. Cette guerre, qui au départ passe presque inaperçue, va créer un problème qui conditionnera la situation au Moyen-Orient pour les décennies à venir. Les réfugiés, à la fois arabes et juifs. Les Arabes quittent leur maison sous les ordres de leur chef pour faciliter l'invasion.
Quand les Arabes auront gagné la guerre, leur dit-on, ils pourront retourner dans leur village et partager le butin de la victoire. Pendant ce temps, les réfugiés juifs fuyant leur quartier tombé aux mains de l'ennemi sont déplacés dans les secteurs de Jérusalem contrôlés par les juifs. Le siège de Jérusalem est finalement brisé et les convois entrent dans la ville avec leurs précieux chargements. Dans les implantations lointaines et isolées, une guerre impitoyable oppose les forces juives démunies aussi bien en hommes qu'en armes à l'imposante puissance de feu des Arabes trop confiants. Mais les juifs disposent d'un avantage sur les Arabes. Ils n'ont pas le choix. En mars 1949, l'Égypte et Israël signent un cessez-le-feu. Israël a gagné la guerre d'indépendance. Parallèlement, Israël travaille dur à développer sa ressource la plus importante, les hommes. Des émissaires rendent visite aux communautés des contrées lointaines, en Tunisie, en Algérie ou comme ici au Maroc. Et les Juifs viennent. Du désert du Sahara, des villes, des villages, des montagnes de l'Atlas, d'endroits où ils avaient vécu pendant des siècles. Des milliers de Juifs yéménites parcourent le désert pour rejoindre un aéroport secret d'où ils décolleront pour leur long voyage vers Israël. Ils appellent cela le retour sur les ailes d'un aigle, sur un tapis volant. Les survivants de l'Holocauste nazi se rendent en Israël pour vivre en sécurité sur leur propre terre. Les Juifs viennent de 70 pays différents, du Pakistan, de Pologne, de Grèce, de Chine, d'Afrique du Sud, de Perse, fuyant les persécutions ou réalisant un rêve apparemment impossible. Les nouveaux immigrants sont conduits à leur première destination, les camps de transit, en hébreu, Ma'abarot, des villes de tentes érigées à la hâte pour héberger ce flot humain sans précédent. La nourriture est rare. Les femmes font preuve d'une étonnante imagination pour préparer un repas à partir des maigres rations dont elles disposent. Tous ces gens doivent affronter des difficultés terribles. Il faut faire la queue pour un œuf. Les étalages sont vides. Pendant ce temps, un marché noir né du désespoir se développe. En 1950, la prohibition en Israël ne touche pas le trafic du whisky, mais celui des poulets. La pénurie de nourriture n'est pas le seul fléau que doit subir ce pays en guerre. Inondations, blizzards, température glaciale font de cet hiver 1950 le pire qu'ait jamais connu Israël. Un toit constitue une protection bien insuffisante contre la férocité des éléments naturels, mais c'est déjà mieux que rien. Souvent, la misère et l'austérité font naître la frustration, la rancœur, le désespoir. Mais malgré la dureté des conditions de vie dans les Ma'abarot, la plupart des gens restent optimistes. Même si certains se demandent qui a eu l'idée de venir s'installer dans ce maudit pays. Quoi qu'il en soit, s'il y a un drapeau, il y a un avenir. En 1951, la fierté patriotique bat son plein. C'est le jour de l'indépendance. Des milliers de gens se massent dans les rues de Jérusalem pour assister au premier défilé militaire depuis 2000 ans. Nathan Axelrod est là, lui aussi, avec sa caméra. Enfin, le moment est venu de déménager des sordides Ma'abarot vers les villes nouvellement construites. Et même si l'on ne possède pas grand-chose, on peut appréhender la vie sous un autre angle. L'Égypte, voisin direct d'Israël, semble faire beaucoup de bruit. Le roi Farouk est détrôné et envoyé en exil. Le théâtre égyptien ne se prive pas de tourner un peu en dérision son monarque déchu. C'est alors l'émergence d'une nouvelle génération de chefs d'État qui aura de profondes répercussions sur Israël. Gamal Abdel Nasser et Anwar el-Sadat.
Un film de propagande égyptien incitant les Arabes à se joindre à la nouvelle organisation terroriste Fedaïn montre bien qui est qui au Moyen-Orient. Le personnage héroïque, téméraire et courageux est bien sûr le Fedaïn. Quant au soldat israélien, il tient le rôle de l'imbécile. Voici au centre le roi Saoud d'Arabie Saoudite, Nasser, le président de l'Égypte, à sa droite. Mais qui est ce petit homme qui se tient à sa gauche? C'est Hussein, le nouveau roi de Jordanie. Nous sommes en 1954. Israël a 6 ans et les enfants nés en 1948 vont à l'école. Et comme partout ailleurs, les premiers sabras, natifs israéliens, comptent un certain nombre de garnements ou de prodiges. Mais tous ces enfants ont quelque chose en commun. Une mère toujours fière d'eux. Et peu importe qu'elle soit premier ministre ou pas. La plus célèbre de toutes les mères juives, Golda Meir. L'assassin qui traverse la frontière jordanienne pour entrer en Israël a trouvé une victime. Cette fois-ci, c'est l'agriculteur Elbaz. Et ses hommes sont sur la piste des coupables. Les nouvelles de l'époque se finissent souvent par cette phrase lourde de sous-entendu. Et les traces de pas menaient à la frontière. La situation frontalière avec la Jordanie exige la réunion d'un cabinet d'urgence à Jérusalem. Le terrorisme est à présent devenu une habitude. Le premier ministre, Moshe Sharet, se sent un peu seul à la tête du pays, sans la présence de David Ben-Gourion. Ce dernier s'est retiré de la politique pour se consacrer à une autre priorité, l'implantation des jeunes dans le Negev. Ben-Gourion est déterminé à faire fleurir le désert. Il pense que l'avenir d'Israël sera assuré par le peuplement des zones arides du Negev, et il veut être là pour voir l'eau y jaillir. Alors commence une période d'enthousiasme fébrile. Même les fêtes et les danses sont filmées pour la postérité. La création de nouveaux villages est enregistrée sur pellicule, accompagnée de commentaires grandiloquents. Voici Nes Harim, le miracle des montagnes, une implantation frontalière peuplée d'immigrants kurdes. Les enfants apprennent dès leur plus jeune âge que leur terrain de jeu s'arrête là. La routine quotidienne est simple à Nes Harim. Les enfants s'amusent, les adultes travaillent. Le bus apporte du pain tous les jours. Le soleil est impitoyable et la terre aride. Du pain et de l'eau. Et pour toute récompense de ce travail, un minuscule coin d'ombre. Lorsque les ombres s'allongent à la tombée du soir, l'atmosphère devient plus tendue. Il faut se défendre des infiltrateurs de Jordanie. Tout doit être fermé, bouclé, protégé des Fedaïn. Mais retournons à la relative sécurité d'une grande ville. Tel Aviv devient rapidement la première métropole d'Israël. Voitures et piétons se bousculent dans les rues. On décerne des certificats de bonne conduite. Dans les années 50, régnait un esprit de joyeuse compétition. Course d'auto. Concours d'œufs et de cuillères. Pigeons voyageurs. Marathon de facteurs. Course de garçons de café. Mais les champions incontestés de tous étaient David Ben-Gourion et Golda Meir.
La ressemblance paraît bien lointaine, même dans cette parodie yiddish du Dibouk. Le premier ministre Moshe Sharet se rend au kibboutz de Sde Boker pour persuader Ben Gourion de revenir au gouvernement en tant que ministre de la Défense. Bientôt, Sharet démissionnera. Ben Gourion redeviendra premier ministre, puis se retirera de nouveau pour revenir un peu plus tard. Le président égyptien Nasser prend des mesures dramatiques qui conduiront à la reprise des hostilités. Il évince les Anglais et les Français de la zone du canal, nationalise le canal de Suez et ferme la mer Rouge aux bateaux israéliens. Israël, avec la France et l'Angleterre, déclare la guerre à l'Égypte. Avec une efficacité radicale, Israël écrase l'armée égyptienne et atteint le canal en 2 jours. 48 heures plus tard, la guerre est terminée. Des milliers d'Égyptiens sont faits prisonniers. Un seul Israélien est capturé. Israël s'est étendu à la vaste péninsule du Sinaï et le premier ministre David Ben-Gourion proclame la troisième république juive, la première depuis 2000 ans. Mais l'Égypte continue de bloquer le canal au passage international des bateaux pour faire pression sur Israël afin qu'il se retire du Sinaï. Et ça marche. Le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, promet à Nasser qu'il fera de son mieux. Menachem Begin, chef de l'opposition, exige qu'Israël garde la péninsule, affirmant qu'un retrait serait un acte honteux pour le gouvernement. Mais Ben Gourion en appelle au sens commun et rend le Sinaï. Le tour de Begin viendra. Les Nations Unies rétablissent la frontière tandis qu'Israël retire ses troupes. La vie reprend son cours. Dans la ville de Tel Aviv, une colombe est prisonnière. Le show business envahit Israël. Un flot de célébrités viennent de l'étranger. Danny Kaye, Marlène Dietrich, Louis Armstrong, un peu plus tard, Satchmo sera banni des nations arabes qui prétendront qu'il est un espion pour Israël. Un des plus grands violonistes du monde, Yehudi Menuhin, vient, ou plutôt revient, dans le pays de sa naissance. Ici, il répète avec le Philharmonique d'Israël pour une représentation officielle. Israël reçoit une vague de nouveaux arrivants d'Australie. Juste à temps pour le grand match. Le petit Israël affronte la puissante Union soviétique. Tout le monde est là pour cet événement tant attendu. Le score final, 2-1 pour l'URSS. Mais malgré sa défaite, Israël célèbre une grande victoire. Certaines des grandes réalisations du travail israélien attirent les foules pour cette exposition à Haïfa. Les nouvelles inventions constituent les principales attractions. Une machine à laver qui sèche et repasse en même temps. Une conserverie hyper automatisée. Et une boîte de sardines qui s'ouvre facilement, à la façon israélienne. La colère monte à Tel Aviv. L'ouverture du premier supermarché en Israël provoque de violentes réactions chez les petits épiciers. Les progrès sont constants.
Israël découvre des gisements de pétrole. Le dur labeur est récompensé par la force économique. Un pipeline vers le Negev. La naissance de l'industrie aéronautique israélienne. Le drainage des grands marécages de la vallée de Houlay. Et les pneus et la voiture made in Israël. Israël célèbre son 10e anniversaire de la manière qui lui est la plus familière, en accueillant le flot continu de nouveaux immigrants. Le message est clair pour tout le monde. Shalom. L'essor économique et technologique d'Israël suscite de nouvelles amitiés en Afrique. Le roi du Burundi est le premier visiteur royal à venir voir tout cela par lui-même. L'entente israélo-africaine s'étend dans le continent noir. Beaucoup de ces pays en développement viennent y acheter du matériel, se rendre compte des résultats de la révolution industrielle israélienne et perfectionner la formation de leurs forces armées. L'ambassadeur du Ghana assiste à l'entraînement des soldats africains en Israël et participe à l'action. Les techniques de pointe font des pas de géant en Israël. À l'aube de l'ère nucléaire, David Ben-Gourion visite une centrale en construction. Mais le passé continue de hanter la jeune nation. La capture du nazi Adolf Eichmann réveille les anciennes douleurs et la mémoire d'un peuple qui ne peut ni oublier ni pardonner. Eichmann est conduit dans l'État juif, où il devra répondre de 12 accusations de crimes contre l'humanité. Israël et tout le monde libre ont les yeux rivés sur l'homme dans la cabine en verre. Les images crues d'une horreur qui ne date que de quelques années sont insupportables pour certains. Un des témoins ne peut dire que « je les ai vus » avant de s'évanouir. Le procureur Gideon Hochner obtient le verdict, coupable, et Eichmann est pendu. Au nord, s'enfuir pour se mettre à l'abri fait partie de la routine journalière. Les mitrailleuses postées sur les hauteurs du Golan attaquent les implantations israéliennes, causant mort et destruction. Là encore, il n'y a pas un seul jour de répit. Mea Sherim, un quartier de Jérusalem. Les échos d'un monde disparu. Une pancarte avertit les visiteurs qu'ils doivent avoir une tenue correcte. C'est l'endroit idéal pour le tournage d'un film d'Hitchcock. Mais le maître du suspense est trop occupé à signer des autographes à des fans inattendus. En haut des 39 marches et derrière la fenêtre sur cour, le nouveau maire de Jérusalem, Teddy Kollek, montre à Hitchcock et à sa femme une vue panoramique de la ville depuis le toit de l'hôtel de ville. De là, la perspective est belle, mais dangereuse. On ne se trouve qu'à 100 mètres de la frontière critique qui traverse Jérusalem, le no man's land qui borde la vieille ville. Des Jordaniens en embuscade pourraient tirer sur les célébrités, comme sur n'importe quel homme de la rue. Une ombre familière se profile de nouveau autour d'Israël. La menace de la guerre. L'entraînement des soldats syriens exacerbe la sauvagerie contre un ennemi que le soldat moyen ne connaît même pas. Depuis leur position sur les hauteurs du Golan, les Syriens ont une vue plongeante sur les terres de Galilée.
un Israélien se lance dans une croisade individuelle. Le propriétaire d'un restaurant de Tel Aviv, Abi Nathan, pilote son propre avion jusqu'en Égypte pour une mission de paix. Les habitants de Tel Aviv se pressent dans son restaurant dans l'attente des nouvelles. Alors, une seconde édition du journal informe la rue qu'Abi Nathan s'est écrasé près de Port Saïd et qu'il est mort. La foule est sous le choc, les gens pleurent. Mais soudain, une troisième édition annonce qu'Abi est encore vivant. Il est relâché le lendemain et accueilli comme un héros. Mais sa mission a échoué. Nasser continue d'envisager une invasion d'Israël. Son peuple est déchaîné. Nasser, le géant du monde arabe, leur apportera la victoire. Nasser évince les Nations Unies des zones frontalières, leur disant qu'il ne répond pas de leur sécurité dans la guerre qui va venir. Il envoie son armée dans le désert du Sinaï. Un pacte est signé avec le roi Hussein de Jordanie. Un juif est pendu en effigie dans une rue du Caire. Dans le monde entier, le peuple affiche son soutien à Israël. Israël se prépare à la confrontation. Yitzhak Rabin est chef d'état-major et Moshe Dayan, ministre de la Défense. Le premier ministre est Levi Eshkol. Ces trois hommes doivent assurer la survie d'Israël contre cette nouvelle menace à son existence. Tel Aviv, le 5 juin 1967. Une guerre sanglante a éclaté dans le Moyen-Orient. Israël enraye l'invasion égyptienne par une attaque surprise qui écrase les forces égyptiennes avec une efficacité et une rapidité étonnantes. Au nord, les Syriens sont en déroute avant même que la bataille ait réellement commencé. Les Jordaniens attaquent Jérusalem et sont eux aussi décimés. En 6 jours, Israël a pris la péninsule du Sinaï à l'Égypte, les hauteurs du Golan à la Syrie et la rive gauche du Jourdain à la Jordanie, ainsi que la vieille ville de Jérusalem. Les soldats juifs approchent du mur des Lamentations, embrassant ses pierres, priant, pleurant. Jérusalem est enfin réunifiée après 19 ans. Les murs qui divisaient ses rues et ses quartiers sont démolis, rétablissant les liens entre l'Ouest et l'Est. Puis, une chose étonnante se produit. Les résidents arabes de Jérusalem-Est se pressent vers le secteur juif de la ville et les Israéliens se dirigent vers le quartier arabe. Et ces deux peuples se mélangent avec une courtoisie et une curiosité de voisinage. C'est un grand moment de découverte pour les habitants de Jérusalem. Arabes et juifs se rendent compte, avec étonnement, que finalement l'ennemi n'est pas le terrible monstre qu'ils croyaient. Aussi curieux que cela puisse paraître, l'Israélien préféré des Arabes n'est autre que le grand héros de guerre Moshe Dayan. Il leur inspire respect et admiration, et les Arabes l'invitent régulièrement à des festins en son honneur. La dure réalité a encore frappé. Une bombe explose dans le marché de Mahane Yehuda de Jérusalem, causant des dizaines de morts et un grand nombre de blessés. La voiture contenant la charge était garée juste devant la boutique d'un barbier, un vendredi, jour d'affluence. Scène d'horreur dans le nord d'Israël. Un bus d'écoliers est attaqué par les roquettes des terroristes arabes, faisant des dizaines de morts et de blessés parmi les enfants. À la guerre des 6 jours succède une guerre d'usure. Les raffineries de pétrole et les dépôts de gaz sont détruits par l'artillerie israélienne dans la ville de Suez. Un vieux soldat visite la ligne de front. En 1969, les Israéliens vont aux urnes. Des isoloirs spéciaux sont installés sur les bords du canal de Suez pour les soldats au front. Avec 22 partis en liste, tout le monde s'y retrouve. Les ultra-orthodoxes, les Arabes,
Moshe Dayan et Golda. Menahem Begin ne gagne pas les élections cette fois-ci. C'est Golda Meir qui l'emporte. Il n'y a jamais un moment de répit en Israël. Avec la situation aux frontières, la chaleur torride de l'été, les prix en perpétuelle augmentation et les encombrements, les Israéliens deviennent irritables. Cette publicité télévisée du service public n'a pas pour effet de calmer les Israéliens, mais de les épuiser. Israël est toujours officiellement en guerre contre la Jordanie. Mais les ponts restent ouverts. La circulation ne se fait que dans un sens. Les Arabes peuvent entrer et sortir d'Israël, mais la Jordanie interdit le passage aux Israéliens. De l'autre côté de ces ponts, les produits israéliens trouvent un nouveau marché, le monde arabe. Mais bien sûr, les étiquettes israéliennes devront être enlevées. Comme toujours, la chaleur intense d'août et de septembre ralentit le rythme des événements. Et la plus importante nouvelle est peut-être le début de la saison des pastèques. À l'étranger, en septembre 1970, les détournements d'avions atteignent leur paroxysme. L'OLP fait atterrir 3 avions commerciaux en Jordanie. Lorsque ces jets sont détruits, l'OLP, véritable État dans l'État, devient une organisation pourchassée en Jordanie. La guerre civile éclate, les forces d'Hussein tuent 7000 réfugiés palestiniens et l'OLP reçoit l'ordre de quitter le pays. Sous le drapeau international olympique, les nations du monde se réunissent à Munich pour 2 semaines de compétition sportive. L'athlète Esther Shahamorov est le meilleur espoir pour la première médaille olympique de son pays. Mais le terrorisme fait irruption dans les Jeux. Le groupe Septembre Noir kidnappe les membres de la délégation israélienne et exige la libération de terroristes en Allemagne et en Israël. Lorsque les Allemands décident d'organiser une opération de sauvetage à l'aéroport, c'est un fiasco. 11 athlètes israéliens sont assassinés de sang-froid. Le monde compatit avec les victimes, mais le spectacle doit continuer. Les plus rapides et les plus forts d'Israël sont ramenés chez eux, dans des cercueils. Et qu'en est-il des terroristes de Munich? Ceux qui n'ont pas été tués ont été capturés et quelques mois après, relâchés. Abi Nathan apparaît de nouveau au devant de la scène. Au début des années 70, Abi se reconvertit dans le business de la paix à plein temps, vendant tout pour installer une station de radio pirate flottante. Les autorités israéliennes autorisent Abi à diffuser son message 24 heures sur 24. Il conduit des marches pour la paix à la Knesset, le parlement israélien, et exporte sa bonne volonté et son humanisme à l'étranger, au Biafra. Partout où le monde est en proie à la misère, Abi est là. De retour à Tel Aviv, Abi convainc les enfants israéliens de casser leurs armes de jeu. Yom Kippour, 1973. Les Israéliens se consacrent au jeûne et à la prière. Il n'y a pas d'émission de radio, pas d'information. Mais quelque chose d'étrange est en train de se produire. Des voitures circulent dans les rues. C'est ce moment-là que les Arabes ont choisi pour lancer une offensive importante. Les troupes égyptiennes traversent le canal de Suez. Les forces syriennes envahissent les hauteurs du Golan. C'est le jour le plus critique et le plus désespéré de l'histoire d'Israël. And if we have to pay the price for living,
We have to pay it. This is not a people that can give in. And we know that giving up means death, means destruction of our sovereignty and physical destruction of our entire people. We will not be destroyed. We dare not be destroyed. Le soir même, les premières images de la guerre arrivent en Israël par la télévision syrienne, des Israéliens prisonniers. Totalement prises au dépourvu, ces familles doivent affronter l'évidence de ces photographies, preuve que leurs fils, frères et pères sont prisonniers d'une guerre dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. La situation critique sur le champ de bataille est d'abord tenue secrète. Mais le nombre alarmant de morts et de blessés qui reviennent du front témoigne de la situation. Les Israéliens craignent le pire. Israël riposte énergiquement, repousse l'invasion, écrase les Arabes trop sûrs d'eux et occupe des territoires en Syrie et au-delà du canal de Suez. Un échange de prisonniers de guerre aide à soulager la douleur. À long terme, la guerre du Kippour a profité à Israël dans sa longue quête de la paix. Car si l'Égypte a retrouvé sa fierté, elle a aussi compris qu'elle n'était pas militairement de taille à vaincre Israël. Les Bédouins du Sinaï ont assisté à l'arrivée et au départ de tous ces peuples, les Turcs, les Anglais, les Égyptiens et maintenant les Israéliens, qui ont laissé leur marque après leurs quelques années d'occupation de cette péninsule déserte. Cette vaste étendue aride est devenue un nouveau domaine pour les touristes, pour la prospection pétrolière et l'implantation des populations. Une bande aride de sable s'est transformée en une nouvelle ville, Yamit. À l'autre bout du pays, Mahalot. Là, les terroristes arabes s'introduisent dans une école, prennent les élèves en otage et exigent la libération de prisonniers terroristes. Et soudain, c'est la tragédie. 23 enfants sont abattus et beaucoup d'autres gravement blessés. Par un jour pluvieux de 1975, un nouveau village s'ajoute sur la carte. Une implantation juive est établie sur la rive gauche du Jourdain. C'est un précédent dans une région où même la terminologie prend une tournure politique. Pour certains Israéliens, c'est la Judée et la Samarie, terre de leurs ancêtres. Pour les autres, c'est la rive gauche ou les territoires occupés. La vie en Israël est pleine de couleurs, mais la télévision dans les années 70 reste toujours en noir et blanc. La bataille pour la couleur commence. L'une des plus grandes missions de sauvetage de l'histoire. Israël libère les passagers pris en otage à l'aéroport d'Entebbe, en Ouganda. Après un plan méticuleusement préparé et qui fonctionne à la perfection, Israël prouve qu'il ne se laissera pas faire par le terrorisme. Le succès de ces Israéliens courageux provoque le délire des foules.
Le parti travailliste avait remporté toutes les élections depuis la création de l'État d'Israël. Et Shimon Peres espérait qu'il en serait de même en 1977. Mais contre toute attente, le parti du Likoud de Menachem Begin est élu au pouvoir et Israël assiste à un changement radical d'orientation politique. Et il ne faut pas attendre longtemps pour que se produise l'événement le plus marquant de ces années-là. Le président égyptien Anwar el Sadat prend la courageuse initiative d'annoncer son intention de rencontrer Begin en Israël pour discuter de la paix. Les Israéliens accueillent Sadat comme s'il était leur propre chef, laissant exploser leur joie à la perspective d'une véritable paix avec l'Égypte. Mais qui aurait pu imaginer qu'on verrait un jour un leader arabe et le plus puissant d'entre eux à la Knesset? Bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le conflit judéo-arabe est vieux d'un siècle, mais comme le dit Menachem Begin, la guerre est évitable et c'est la paix qui est inévitable. Let us decide one thing. It must go on, face to face, between us and between you, so that even an old lady like I am will live to see the day. I've always been. You always call me an old lady, Mr. President. Golda Meir allait mourir quelques mois seulement après cette rencontre. I want to live to see that day of peace between you and us, of peace between all our neighbors and us. And Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may... Pendant que dans le sud, les perspectives de paix semblaient plus souriantes, au nord d'Israël, les roquettes Katyushka s'abattaient sur les villes et les villages lors d'attaques lancées par les terroristes palestiniens du sud Liban. Les chances de paix au sud exigeaient d'en payer le prix. Les Israéliens ont toujours entretenu d'excellentes relations avec les Bédouins. Mais les Bédouins resteront dans le Sinaï lors de sa reddition. Finalement, en 1979, la paix est signée. Sadat et Begin serrent la main de Jimmy Carter. Et trois décennies de guerre et d'hostilité s'achèvent enfin. Non, ce n'est pas la réalité. Et cela non plus. Ce ne sont que des extraits de films, car Israël devient vite un des endroits de prédilection pour le tournage de productions à grand budget. Par contre, ceci est bien la réalité. L'histoire de deux millénaires de foi, avec pour personnages principaux le grand rabbin d'Israël Shlomo Goren et Bak Kojba, le héros légendaire juif de la révolte de Masada. Rabbi Goren s'élève jusqu'à la grotte contenant les restes de Bak Kojba. Ses os sont récupérés pour être enterrés religieusement. Begin est très attaché à la gloire du passé. Mais il possède aussi un sens aigu du présent. Et la vedette de Dallas offre son chapeau à la vedette d'Israël. Les Égyptiens considèrent la guerre du Kippour comme une grande victoire. Sadat assiste à la commémoration du 8e anniversaire de cette guerre. Mais les festivités se transforment rapidement en un événement tragique. Un commando de frères musulmans tire sur le président égyptien. Et en un instant, le Moyen-Orient se retrouve en plein désarroi. Que nous réserve l'avenir sans Sadat? Un épisode d'angoisse pour Israël. Il faut rendre le Sinaï à l'Égypte et démanteler toutes les implantations juives. Yamit devient le théâtre de conflits entre la politique du gouvernement et l'idéalisme des radicaux.
Begin, l'ancien héros des pionniers de Yamit, est pendu en effigie. Et une ville née de la poussière retourne à la poussière. L'hôtel Dorchester à Londres. L'ambassadeur israélien Argoff est assassiné par des terroristes palestiniens. Le chef d'état-major et le ministre de la Défense envisagent une riposte. L'organisation terroriste palestinienne opère depuis le Liban avec une virtuelle impunité. Israël envahit le Liban pour les repousser. Pour la première fois, Israël fait une guerre qui n'obtient pas le consensus populaire. Les manifestations pacifistes deviennent un phénomène nouveau en Israël. Pourtant, un des objectifs est atteint, ne serait-ce que temporairement. Les terroristes sont forcés de quitter le Liban. Mais le prix en est élevé. Plus de 600 morts israéliens et des milliers de blessés. Pour Menahem Begin, la tragédie de la guerre est un coup dur. Affligé par les pertes humaines, effondré par la mort récente de sa femme, Begin démissionne de son poste de Premier ministre. « Je ne peux plus continuer », dit-il, avant de disparaître du domaine public pour vivre en reclus dans sa maison de Jérusalem. Et comme si tous ces problèmes ne suffisaient pas, les Israéliens doivent aussi faire face à une inflation galopante, atteignant des proportions telles qu'à son paroxysme, il faut réajuster les prix plusieurs fois par jour. Une émission du service public décourage la panique des consommateurs. Cette campagne a sans doute bien fonctionné, car en 3 ans, l'inflation est réduite de 1000% à moins de 8%. Les progrès s'avèrent encore plus impressionnants dans le domaine de la science, de la technologie et de l'agriculture. Les inventions et les innovations constituent un facteur constant du développement du pays. La médecine fait des pas de géant et Israël a la réputation d'être à la pointe dans ce domaine. Parmi les grandes réalisations dans ce secteur figurent entre autres la chirurgie au laser, le scanner du cerveau et un remède contre le rhume commun qui importune les hommes depuis toujours. On est loin de l'ouvre-boîte et de la machine à laver multifonction. On innove également dans le domaine politique. Les élections de 1984 génèrent un nouveau type de gouvernement. Un gouvernement d'unité nationale qui partage le pouvoir entre le Likoud et le Parti travailliste, avec un changement de Premier ministre à mi-parcours. Ce gouvernement d'unité nationale doit à la fois régler tous les problèmes intérieurs et extérieurs et résister aux pressions exercées de tous côtés. Et comme dans un mariage, il faut que tout le monde accepte de faire des concessions. À des milliers de kilomètres de là, en Éthiopie, les Juifs célèbrent Pessah, la Pâque juive, selon le rite traditionnel, en souvenir de la sortie d'Égypte dans les temps bibliques. Mais ces hommes préparent en réalité leur propre exode. Les Juifs éthiopiens travaillent comme des serfs pour une aristocratie futile qui les désigne du nom honteux de Falassa, qui veut dire étranger. Depuis les régions les plus éloignées d'Éthiopie, les Juifs se mettent en route pour un dangereux périple qui, comme celui de leurs frères yéménites, 37 ans plus tôt, les conduira à une piste secrète d'où ils s'envoleront pour une destination de rêve, Israël. Beaucoup d'Éthiopiens n'avaient pas vu leur famille depuis des années, et ces embrassades répétées sont comme une manière de rattraper le temps perdu. Israël attire toutes sortes d'immigrants.
de grands vols d'oiseaux migrateurs fuyant les climats froids font chaque année escale en Israël. Seule bande de terre suffisamment importante qui relie l'Afrique à l'Europe et à l'Asie. C'est un véritable paradis pour un amoureux de la nature. Et voici peut-être le plus célèbre de tous les immigrants, Anatoli Tcharansky. Anatoli Tcharansky, le prisonnier de Sion qui traverse le rideau de fer, ouvrant la voie à des milliers d'autres. Comme Yosef Begun ou Ida Nudel. On pourrait penser qu'en Israël, il n'y a rien d'autre à faire que manifester. Les juifs ultra-orthodoxes le font pour protester contre la désacralisation du Shabbat. Et les ouvriers pour critiquer l'abandon d'un projet aéronautique. Mais le temps d'un instant, tout le monde s'arrête pour regarder Philippe Petit traverser sur un fil la vallée de Hinnom, entre l'est et l'ouest de Jérusalem. Et lorsqu'il sort une colombe de sa chemise, tout le monde comprend son message. Juifs et Arabes de Jérusalem, essayons de vivre en paix les uns avec les autres. Mais l'équilibre fragile de la paix se brise, à Jérusalem comme ailleurs en Israël, et sur la rive gauche du Jourdain. Des incidents mineurs se transforment en émeutes. Les grèves générales paralysent les boutiques de Jérusalem-Est. La ville est envahie par un silence inquiétant sous lequel tonnent les échos sourds de la révolte. Depuis sa fondation il y a 40 ans, l'État d'Israël a toujours fait la une de l'actualité mondiale, et parfois beaucoup plus que ses habitants ne l'auraient voulu. Pourtant, Jérusalem est par la définition même de son nom, la ville de la paix. C'est ce mot « paix » qui s'inscrit sur le mur en lettres de feu lors de la cérémonie d'ouverture du Festival d'Israël en 1988, auquel participeront des centaines d'artistes du monde entier. Mais derrière les cris de joie ou le grondement de la révolte, on entendra toujours le petit clic de l'appareil photo, témoin permanent de l'événement. Et qu'il s'agisse d'un moment d'euphorie ou d'angoisse, de sagesse ou de folie, de cruauté ou d'innocence, le photographe sera là pour immortaliser cet instant. David Rubinger était là, à chaque moment. Et la dernière image qu'il a choisie pour son exposition montre les Israéliens célébrant la création de leur État. Et à partir de ce jour, ils ne connaîtront pas un seul moment de répit.